je demande, tu fais quand même le sac alors que tu as dit que je venais chez toi. Ah, ma question, moi j'ai déjà eu un autre programme. Là, autre programme comment? Moi, je n'aime pas les choses comme ça. Il fallait me dire ça, je ne venais pas, je ne passais pas ici. Ouais, donc j'aime trop les programmes. En passant, tu voulais que tu n'avances pas. Tu es le type là, non, le type de la défense que tu parlais là. Ah, tu déranges trop. Tu t'es aparti de l'autre côté. Bien sûr, c'est même pour ça que j'en allais là-bas, ça fait à manger. Tu penses que quoi? Pour voir si ça donne un peu. Pour voir, ça va seulement donner. Ah, j'ai confiance. Dit que les gars, moi, je ne suis pas fille de toi. Moi, je voulais que tu m'accompagnes. Ouais. Fais pas ça. Ouais, ma copine. Est-ce que toi aussi tu connais mes programmes? Mais il fallait me dire ça au téléphone. Pourquoi me faire couper les routes, arriver jusqu'ici alors que je pouvais m'en gagner en tant que parti? Tiens, pas de problème. On se verra prochainement. Tu pars avec le sac. Mais je vais faire le marché. Il m'avait fait à manger là-bas. Donc je sais mes blagues. Je remets les mains d'abord sur moi. Comme je parle, je mets ça dedans. Est-ce que tu as même dit en passant que Audrey allait raconter les choses au type là? C'est Audrey. Comme tu entends là, elle allait lui dire des trucs là-bas. Là. Je débarque là-bas, le gars me sort une version que. Non, mais tu me connais, non. J'ai suggéré, mais je t'assure que, comme je parle là, le tout-ci, Rob doit manger le repas là. Et il doit comprendre qu'il y a un truc entre nous. C'est comment? C'est comment cette Audrey là va venir? Je suis dépassée, mon frère. Elle va me gâter les plans. On a envoyé l'angala. Ma copine, prépare. Je suis un homme sexy, hein. Bien, c'est une Oh, Glory! Quand même moi! Toujours! Elle me connaît même. Tourne là. Je suis d'abord un sac bon. De sucre. Bon, après tu mets ça à l'intérieur. C'est efficace, je te dis. Le type là est tellement efficace. Attends, le gars, c'est un idiot aussi. Donc, il pense vraiment que moi je suis sa soeur. Genre, je l'aime déjà trop comme un frère. Un grand frère. Deux inconnus. Tu veux que je manque de me perdre le temps? Il faut que je gagne. Ah, ma copine, on a mis un autre programme. D'accord. On se prend. Bonne chance. Ok. Glory, the way! Ah, du courage, ma copine! Merci, chérie! À manger avec toi, tu vas attendre longtemps. Seigneur Jésus! Moi, Albert, défais ma tête. Tu as financé ma coiffure, tu sais combien ça m'a coûté. Tu vas attendre longtemps. Tu as vécu ton époque, j'ai vu la mienne. C'est quoi? Pourquoi j'ai de ma jeunesse? Tu concoles mes femmes, tu concoles mes sorties. Maintenant, tu veux concoler ma coiffure? Pardon, j'ai ta vie et j'ai la mienne. Tu vas changer que tu le veux ou pas. Albert, tu vas changer. C'est moi, non? Compte sur moi. Comment ça va, Bon? Eh, ma chérie, ça va? Oui, ça va. On te donne quoi aujourd'hui? Bon, je vais te demander 400. Pourquoi les fruits bizarres, les fruits tués et bien. Maman, tu ne peux pas qu'on les goûte. Merci, je veux faire un truc, une petite sauce tomate là. C'est ça que j'ai encore emballé les. J'ai déposé les histoires là. Ah, voilà. Je suis pressée. Appelle maman. Bon, dis-moi alors, tomate combien? 400. Tomate 400. Mais bon. La tomate est chère. Vous les commerçants là, tous les jours c'est cher. Ok, c'est cher, c'est 4 à 200. Tu vois, quand tu me vois, tu vois seulement l'argent dans moi. Hein. Qu'est-ce qui te fait rire? Parce que tu es souvent sapé tous les jours là. Tu fais quoi? Non, ma chérie. Ok, tu as le lait. Oui, Anna. 50. Il y a une chance de 50 aussi. Moi, je vais te donner 30. Tu vois, tu es toujours cher. Sors comme ça.
ça là, sors, sors. Mais, là tu arrives carrément, tu entres dans la maison de ton père. Parce que tu me demandes que tu sors, tu pars où? Tu sors d'où? Alors tu sors d'où? C'est à toi que je m'adresse. Parle, tu sors d'où? Tu étais chez ta copine. Tu as dit à qui que tu partais chez ta copine. C'est pas toi qui parle. Je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Tu ne pouvais pas m'appeler au téléphone. Tu ne pouvais pas me laisser un message. Tu étais chez ta copine. Jusqu'à tu as changé le coiffure. Tu as mis la greffe. Sans moi, mais jusqu'à tu as la lace frontale. Place pas comme ça, elle te voit bien. Là, elle te voit. Agathe, tu n'étais pas chez ta copine. Tu n'étais pas chez ta copine. Tu n'étais pas chez ta copine. Quand tu me regardes, je suis ta grand-mère. Je suis ta grand-mère quand tu me regardes. Tu sors d'où? La stricte vérité, j'étais chez ma copine. J'étais chez ta copine. Donc tu pars chez ta copine, tu dors. Tu n'appelles pas. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois. Tu veux seulement qu'on me tue. Tu veux seulement qu'on me mange dans la famille ici. Je ne veux pas les problèmes. Depuis l'autre jour, je vais que te dire ça, que je ne veux pas les problèmes. Je t'ai demandé d'entrer ici la dernière fois, de prendre tes choses et sortir. Tu ne comprends pas. Je ne veux pas les problèmes. Mais le piment n'est pas cher. Les rondelles, c'est combien? Les rondelles de 50 aussi. Combien? 50 aussi. Oui, c'est 50. Ce n'est pas moi le cube magique. Bon, c'est que tu as. Je crois qu'il a vu là-bas chez lui. C'est un homme dessus. Pour 100 francs. Bien. C'est toi. 300. Ça fait combien? J'ai oublié la mienne. C'est pour la peur de mon nom. Pour combien de temps? Non, 5 ans. Ginger? Non, mais il ne veut pas manger. Ok. Ça prend une ancienne. J'ai appelé un ancienne à la messe. Je veux la recette que tu veux que te fasse comme ça. Ça fait lui. Il faut rien oublier. Bon, tomate 400, 50, 50, 50, 50, 50. Ce qui fait 850. Ok, tu gardes la main. Mon asso, on se voit non? On se voit. J'étais ici dans ma maison, je menais ma petite vie tranquillement, elle ne dérangeait personne. Je ne veux pas. Tu fais quoi de mal? Tu fais quoi de mal? Donc selon toi, tu te comportes bien. Tant qu'elle n'apporte pas des amis, il n'y a pas de problème. Tu parles à qui comme ça? Tu sors, tu pars dormir dehors, tu reviens le lendemain, il est quelle heure? Tu reviens ici ou ça après combien de jours? Est-ce qu'il y a une heure pour rentrer chez soi? Tant qu'il y a une heure pour rentrer chez soi? Elle fait juste qu'elle me parle. Enfin, si. Tu as quel âge? Agathe, tu as quel âge? Jusqu'à tu me réponds. Je suis ton égal, non? Toi et moi, on a fait les bancs ensemble, non? Si tu, comme tu te comportes là, c'est à revenu que c'est parce que tu es dans ma maison. Je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant. C'est la même chose que je suis en train de vouloir te faire. Non, elle ne peut même plus rentrer chez soi, on trouve la paix. Même ici, elle ne peut plus aussi retrouver la paix. Tu ne peux pas être retrouvée la paix ici avec le comportement que tu as à la marcherie. Je suis désolée. Mon comportement, je dis que je suis désolée. Tu ne peux pas. Si tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas bien te comporter comme tu as l'habitude de te comporter, maman. J'ai très fait que tu aies demandé de partir depuis doucement. Mais je ne peux même pas partir. Tu vas partir. Parce que là où je suis à bout. C'est tout le monde qui vient insulter. C'est tout le monde qui vient dire ce qu'il a dit. Je dis que je suis fatiguée. Que oh, c'est moi qui t'apprends la bordellerie. Moi-même dans ma maison, si tu me vois sortir dans la nuit, tu me vois sortir n'importe comment. Est-ce que tu interdis alors de sortir? C'est parce que je sais ce que je veux. Comme toi, bien sûr, c'est ce que. Ok. Chacun connaît ce que. Oui, tu vas aller savoir ce que tu veux dans la maison de ton père. Ou bien tu vas partir là où ta mère. Tu connais là où ta mère est. Chez ton oncle là-bas. Prends tes choses, tu fous le camp. Il ne veut plus. Est-ce que tu as dit qu'il va aller rester avec moi? Tu vas aller rester là-bas. Salut Albert. Salut Glory. Ton père est là? Oui, il est là-haut.
Je demande. Tu es fou, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi? Tu viens de faire quoi là? Mais je viens de faire ceci. Bon, tu es fou. Ok. Non, tu me gifles. Que tu es qui? Glory, tu me gifles. Donc non seulement tu m'appelles Glory et après tu m'embrasses. Tu es malade ou c'est quoi? Glory, tu ne comprends pas quoi? Albert est amoureux de toi. Hein? Tu es amoureux de qui? Depuis où c'est toi? Je dis à mon fils, c'est quelle malédiction? Tu aimes ta mère? Quel fils? Son parenté. tu m'as dit. Oh, c'est les amis. Il ne m'attendait pas. C'est par rapport à ce que ma mère. Ferme ta bouche. Il est même sérieux. Tu veux venir prendre le vieux sans parler ou avec? Arrête un peu ça. C'est pas ton numéro. Je vais t'écrire. Tu l'as vu, je t'aime. Okay. Non, je t'aime. Tu aimes qui? Albert, donc quand je te regarde la petite comme tu es là, je peux m'intéresser à toi. Ce sont des hommes comme ton père qui m'intéressent. Toi, tu es un bébé. Ok, qu'est-ce qui t'arrive? Hey. Tu vois comment vous mourrez, son ami? Vous mourrez de manière très précoce. Tu fais quoi même vieux sang? Tu vas pas finir avec toi. Faut sortir des jeunes comme moi. Regarde, c'est qu'elles ont abandonné. Ça, je suis venu parler. Sa femme est partie. Ma mère a abandonné. Ça, je suis venu ramasser quoi? Tu as juste mis les impuissants. Il ne fait pas bien. Donc, viens chez la belle. Elle veut bien te séparer. Arrange-moi. Je demandais, tu as fumé? Ouais, Glory, arrête un peu ça. Tu peux donner tout ça à un vieux père comme ça. Arrête-moi ça. Tu es fou, c'est quoi? C'est pas cette brutalité, non? Tu es pas le temps. Et tu te dis ma vie, salopard. Mais fais-le moi, hein. Mon Dieu. Est-ce un péché d'aimer une femme? Aimer quoi? Tu aimes qui? Respectons-nous vivants, mon. Respectons-nous vivants. Ouais, Glory. Tu vas te chiffrer une troisième fois, hein. Pas chance. Sauvage, même. Regarde sa mère jusqu'à ce qu'il est content. Mon Dieu, comment savoir clair cette histoire? Donc maman avait raison. Cette fille s'intéresse à mon père. En tout cas, ma mère ne peut pas rater ça. Il faut que j'appelle maman. Tu ne peux pas rester ici. Sinon, elle va te faire, elle va t'enlever même là-dedans. Elle va te faire. Elle dit que tu ne restes pas ici. Tu ne peux pas rester ici. La chance que tu as, c'est que tu sais très bien que ne tape pas sur les enfants. Ta mère était ici, c'est tout le monde qui vient m'insulter. Ton père est d'abord venu ici là l'autre jour. Il t'a dit que ton père a dormi sinon. Après, c'est devenu mon problème. Il n'a pas sa maison. Il n'a pas sa maison, ça veut dire quoi? Il est arrivé ici pour venir parler toujours aux histoires. Il a c'est tombé net. J'ai même dit remercier le ciel. Ton nom, c'est bon comme il est arrivé que tu n'étais pas là. Parce que quand j'allais. Il n'a pas réglé les problèmes de sa femme. Ok. C'est là-bas, c'est chez lui là-bas que tu vas aller résoudre. C'est là-bas. C'est là-bas que tu vas aller sortir la bouche que tu sors là, pas ici. Ce n'est pas ici là que tu vas développer les talents que tu es en train de me montrer là. Pas moi, je ne savais pas que tu étais comme ça. Toi, tu sais très bien que parmi tous les enfants de la famille, si tu es parmi les enfants, tu sais très bien ça, tu connais à quel point je t'aime. Mais tu arrives maintenant, tu viens faire la sorcellerie chez moi. Pour qu'on dise demain que c'est moi qui t'ai gâté. Ou soigne-moi, pardon. Je ne veux pas. Je viens dans cette maison sans m'enlever ce que tu as sur la tête là. Albert. Salut, monsieur. Oui, salut Glory. C'est comment? Comment tu vas? Ça ne va plus. Avant d'arriver cela, j'allais bien. Mais là, maintenant, ça ne va plus. Il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai tamponné Albert aux escaliers. Je demande après vous. Il me parle jusqu'à venir m'embrasser sur la bouche. Pardon? Comme je vous dis là, il a même voulu refaire une deuxième bise. Et je lui ai donné une claque. Pardon? Comme je vous dis là, je ne suis pas du tout contente. Albert t'a embrassé sur la bouche. Vous vous embrassez souvent par la bouche. Je suis dépassée. Okay. Les enfants n'ont plus peur. Je me demande si l'enfant l'a fumé ou bien si je ne comprends pas. Sur ta bouche. Albert ne va pas changer. Mais c'est quel comportement ça? Tu n'es pas l'ami de sa mère. Il ne sait pas ça. Hein? Comment Albert peut... Comment il peut s'intéresser à une femme de ton âge? Ça me choque. Quel manque de respect, mon égard. Il faut faire délivrer cet enfant, c'est ce qui l'a en problème. En tous les cas, c'est quel bon vent en dehors de cela. Tu venais me dire bonjour, tu étais de passage, c'est quoi? En fait, je venais pour vous faire votre repas. Pardon? Je venais pour vous faire votre repas que je vous avais préparé. C'est que je suis passée. Ah, les cuisses de poulet. Amicalement, bien sûr. Bien sûr. Ok. Tu connais donc la cuisine, je crois la dernière fois que tu as récupéré tes plats là-bas, oui. Donc, la dernière porte là en sortant à ta droite. D'accord. Mmh, d'accord. Okay. Ça va, je vais régler la situation là. J'espère. Mmh, tu te calmes. Tu te calmes, ça va aller. Que et que Albert Zanda, chef mineur, chef bordel. Maintenant aussi, c'est lui qui veut déjà aussi être le chef des vieilles femmes.
Ce n'est pas un souci. Lui seul sait sur quoi il compte. Je ne veux jamais, il y a le mal de nerfs parce que chaque jour je bavarde. Chaque jour on vient m'insulter ici. C'est tout le monde qui vient parler. Ta mère était ici là hier. Ta mère est venue m'insulter ici là hier comme si elle ne sait même pas. Comme si je. Maïe Mbenki. Elle est venue m'insulter à cause de toi. Elle dit que c'est moi qui t'apprends la bordellerie. Que tu n'étais pas comme ça. Je connais tes choses. Je connais à quel moment tu sors. Je connais avec qui tu sors. Même tes copines que tu dis là, je les connais. Je ne veux même pas connaître. Je dis que je ne veux pas. Quelqu'un qui t'amène dans les boîtes de l'été dit que si elle voit celle-là, elle va la massacrer très mal. Parce que c'est elle qui vient y te détourner ici. Jusqu'à ta mère dans les boîtes, vous partez, vous buvez le vin, vous fumez, tu rentres ici, tu viens escalader. Je savais que tu connais comment on escalade. Tout ça. Ok, c'est chez moi que tu viens apprendre. C'est dans la maison de ton père. Quand tu permets le portail, si tu voulais que j'entre par où, je te. Tu sors d'abord, tu dors d'abord dehors, pourquoi? Tu sais que nous sommes ici ensemble. Je sais que nous sommes ici ensemble, mais tu ne me dis pas là où tu pars. Tu sais bien que je peux pas m'appeler. Tu ne peux pas m'appeler. Avec quoi? Avec quel crédit? J'ai le crédit. Oh, si tu as appelé, tu sors vite. C'est quoi? Tu es à côté basse. Après, tu veux quoi? Il n'y a pas de questions stupides. Yes. Yo, il veut quoi comment? Je suis venu te voir. Tu es venu voir qui? Ma copine. Quelle copine? Sangra, c'est quoi cette question? Moi, je suis ta copine, Albert. Attends. Ça fait combien de temps qu'on ne s'est plus vu? Attends un peu, tu veux inverser les rôles? Ouais. C'est Albert de se fâcher. Albert, pardonne, laisse-moi parler. Oui, parle. Ça fait combien de temps qu'on s'est plus vu? À peine 5 ou 6 jours, c'est quoi? 5 ou 6 jours. Et la dernière fois qu'on s'est vu, qu'est-ce qui s'est passé? Mais mon père nous a mis à la porte. Voilà. Ton père nous a mis à la porte, non? Oui. Et en retard, tu es encore venu ici. Attends, Sandra, tu veux inverser les rôles? C'est Albert, il s'est fâché. N'est-ce pas? Quand mon père nous a mis à la porte, tu es venu ici, on voulait dormir ici, tu ne m'as pas chassé. Tu m'as dit que non, mon père ne veut pas que tu dormes ici. Albert, tu es venu ici quand? Hey! Tu ne peux pas arriver ici ensemble? Tu vois comment tu es? Albert, pardon. Même si la petite vérité te dépasse. Quelle vérité? Albert, toi-même, tu sais que quand nous a mis à la porte, là, tu es resté là-bas. Tu es resté devant la porte, vrai ou faux? Tu viens m'accompagner ici à quel moment? Ou toi, tu confonds déjà les gens? Je ne confonds pas. Sangam, je suis arrivé si vous voulez dormir parce qu'on ne veut pas où aller. C'est ça. Je suis allé faire les gaffes chez ma mère. Elle a cassé les gens son matin pour qu'elle aille là-bas. Et toi, moi? Je suis venu ici pour dormir. Tu sais où j'ai passé la nuit? Ça, moi, je m'en fous. Merci beaucoup. Et tu me déranges pourquoi? Albert! Donc j'étais dedans, tu as laissé que ton père m'humilie là-bas. Hein? Tu étais seul. Hein? Mais toi, tu es encore chez ton père, non? Pose ta question, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que je suis encore là-bas? Hein? Tu serais m'humilier, demander pardon à Gino pour mon père m'a à la maison. Puisqu'il avait appuyé passer la nuit à l'hôtel. Voilà. Sur les chaises là. Le froid, les moustiques. C'est ce que tu mérites. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, ça c'est quelle coiffure ça? Tu veux y devenir aussi femme? Attends un peu, depuis que la fille d'Albert va un peu en genre là, c'est tout le monde. Tu me poses des questions. Je me coiffe, Albert se coiffe. Maman est. Bien sûr, je suis un don man. Non, si toi tu as commencé à te crasser, moi je vais me raser. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a un ici, il veut que je suis avec un homme. On sait que l'homme ne se coiffe pas, mais toi tu sors de la macabre. Il est donc commencé. Tu vas me charger, tu vas me faire des locks. C'est ça même. Et tu veux me faire quoi ici? Lori, tu fais quoi ici? C'est que question bizarre ça. Donc c'est vrai ce qu'on me raconte là. Qu'est-ce que le raconte là? Tu fais quoi chez Rob? Hey, ça te fait rire? Tu surveilles avec ma. Tu fais quoi ici? Il fait ce qu'il veut. Où? Chez qui? Chez Rob. Chez Rob? Mm-hmm. Ah donc c'est vrai ce qu'Albert me raconte. Ah je m'en fous ce qu'Albert te raconte. Tu es en train de séduire Rob. Tu sens que le séduire. Séduire c'est même pas le mot. Non mais attends, mais après. Tu es une pute. Attends un peu. Après tu pensais quoi? Quand tu me regardes, il y a peut-être une fille qui court derrière les autres. Donc tu pensais qu'on va arriver ici, tu vois tout ça. Genre moi je suis née pour mourir dans la pauvreté, c'est ça.
Chloé. Tu pensais à quoi en fait? Tu n'as pas de dignité, je te jure. Tu appelles quoi dignité? Vraiment. Parce qu'après, tu n'es pas différent de moi. Tu es sa femme, non. Tu n'es rien. Tu n'es personne. Mais je ne cours pas après lui. Tu cours. Je ne cours pas derrière lui. Sauf que si tu es rapide que toi, c'est tout. Tu n'as pas. Ah, je comprends. Tu appelles quoi? Je comprends. Tu comprends quoi? Je comprends. Tu comprends quoi? Non, c'est pourquoi je l'ai amené chez le marabout. T'as amené où? Tu es une menteuse. Tu as amené à laisser refuser, non? Pardon. Tu es venu voir pour regarder. J'ai voulu t'amener où? Bien sûr que tu le sais. Pour faire quoi? Robe. Tu me vois en train d'avoir des idées de basse robe. Bébé, hein? Moi, j'ai lâché robe depuis. Tu ne l'as pas lâché, ma chérie. Vraiment. Tu ne l'as pas lâché. La richesse là t'a un peu traumatisé. Tu fais vraiment pitié. Console-toi. L'argent m'a fait comment? Tu n'as pas traumatisé. Après tes conseils. Quel conseil? D'où était quoi tes conseils? On conseille une prostituée, une ancienne prostituée. On conseille. Tu es un chat comme moi. Tu te conseilles quoi souvent? Moi, prostituée. C'est une comme aussi un chat rapide. C'est moi la prostituée. Ça chauffe. La maison chauffe. Justement, c'est la raison pour laquelle je me trouve parce que vous voulez me chercher une idée. Pourquoi tu m'as chassé la maison? Pourquoi j'ai enlevé ça? Chaque jour. Donc, les prix sont moins chers, non? Toi, tu chasses le matin. Chasse le matin, il chasse à midi, il chasse le soir. Tu ne peux pas faire le soir. Mais la petite Agathe, Agathe met le type là ou pas? Celui que Agathe a fait plus de 2 jours dehors. Okay. On ne sait pas où elle se trouve. Il ne parle pas, il tremble comme une feuille. Sa force, là, son muscle, là, c'est sur Albert. Quand il tourne là, sans l'homme. Oui, parce que tu es un homme. Merci. Tu déranges un peu trop. Voilà que ça a l'enclume. Parce qu'il y a la copine de ma mère. Elle s'appelle comment? La Glory. Glory? Ouais. C'est qui? La copine de ma mère. Elle sait s'intéresser à mon père. Et elle, hey! J'ai laissé la fille à la maison. Oui, oui. Elle s'est intéressée à ton père. Ouais, elle dit qu'elle est venue faire manger à mon père. Et bizarrement, excuse-moi, elle te dit ça. Tu es ma copine, mais moi, je ne comprends pas. Il fait que penser à cette fille-là depuis un moment. Son nom tourne dans ma tête. Je ne comprends rien du tout. Pourquoi? Attends d'abord. Albert, tu dis quoi là? Qu'est-ce qui fait que penser à cette fille? Je m'explique pour moi, mon père. Le gars m'insulte seulement. Ok, tu penses à cette fille de quelle façon en fait? Je te dis quoi? C'est, je ne peux pas expliquer ça. Tu l'aimes bien aussi? En fait, je ressens le besoin d'être à côté d'elle. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est l'amour, je ne sais pas. C'est l'attirance. Oh, oui. Bravo. Bravo. Finalement, Albert ne peut compter sur personne. Même. Non, ouais. Parce que moi, ça m'étonne. Ça m'étonne vraiment que tu te dis que tu as une copine. Mais toi, tu t'intéresses aux autres. Yeah. C'est vrai, t'as c'est vide en lui. Ok, vas-y. Mais Albert, tu n'as pas pour se canter, j'ai le cerveau. Il dit que c'est pas ce qui me pousse à penser à cette fille. Tu ne comprends pas quoi. Ok. Attends un peu. Qu'est-ce qui te pousse à penser à cette fille? Pour rien comme ça. Ah, bon, quoi, ma mise. Tu vas être un fanfare. Ok. Et t'écoutes. Tu dois me dire, même si quand tu sais que tu dois sortir. Oui, laisse-moi écrire un mot. Oui, écris. Oui, là, je connais là où tu es. Mais il n'y a plus de tu me dis que tu pars dans telle boîte. Là, je sais que si ça fait un jour, moi-même, je viens te chercher là-bas. Ne pars pas, tu prends tes feux, tu pars, tu rentres ici à 10h du matin, tu viens me toquer la porte comme si je ne sais pas. Comme si c'est ton show qui paye le loyer ici, là. Et dis que continue. Tu comprends? Il dit que la chance que tu as, c'est qu'il ne tape pas. C'est que tu as fait quelque chose. Que tes gros yeux que tu as là comme ma passe, c'est que tu as fermé un nez. Avec la claque, le coup de poing. Quand tu es là, tu me parles, tu me réponds comme si c'était ton égal. Ciao, fille, je me réponds. Tu dis à qui parles à qui comme ça? Ah. Tu dis à qui que tu as appris. Tu n'as pas fini de parler. Tu parles à qui comme ça? Je comprends ton message, non. Je suis désolée. Et vous passez maintenant. Tu passes pour battre. Ça me va à notre maison. Regarde tes tenues. Tu m'habilles comme je veux. Regarde tes tenues. C'est justement pour ça que tu n'avais même pas te regarder. C'est justement pour ça que tu ne pourras même pas faire la cuisine si un jour. Parce que même t'habiller normalement comme une jeune femme. Tu m'as enlevé pas. Vraiment, vraiment. Tu me fais pitié. Pardon. Ok, Ado a même raison. De dire que tu séduis son père. Ce que vous pensez m'importe. Au point de mettre le remède dans sa nourriture. Et puis quoi, ma chérie? Vraiment. Et puis quoi? Ma chance, elle pour, toi. Ma chance pour toi, c'est pas ton père qui a mon père. Elle me raconte même que déjà que tu arrives à le mal. Tu es d'abord une idiote. Or, échelon. Tu es bête. T'as vu quand on tape sur Google, idiot, sinon c'est ton visage qui sort. N'est-ce on pas? Peut se. Et même le coach ne peut pas revenir ici. Tu es stupide. Donc, c'est comme ça que tu as choisi ton nom. C'est comme comment? Ça que toi tu cherches à avoir un homme. Est-ce que je discute, grand? Tu discutes! Je la mets où? Je la mets tu où? Le voulais! Les remèdes que tu as mis dans le jus de votre robe. C'est mon fils qui a mangé. Et même si j'ai mis, ce n'est que le dé.
Albert va te coucher. Il va me coucher. C'est comme ça que ça se passe quand on est une pute. N'est-ce pas, compris, non? N'est-ce pas, non? C'est comme ça que ça se passe. Toi, tu as entassé combien? Il n'y a pas de problème. Toi, tu as envoûté combien? Il faut bien séduire. Ah, ne me couche pas, ne me salis pas. Ne me salis pas. Ne me salis pas. C'est comme tu vas séduire, il va coucher. Oh, sale pute. J'aurai honte. Va te faire foutre. Tu as mal pour toi. Sale pute. Quand tu as mal. Tu n'as pas honte. Quand tu as mal. Que se passe-t-il ici? Que se passe-t-il ici? Je peux savoir. Elle se rend compte qu'elle est arrivée ici. Elle fait quoi chez toi, Ron? S'il te plaît, s'il te plaît. Tu n'as pas de questions à me poser. Tu n'es personne dans ma vie. Je veux savoir que se passe-t-il ici. Ma je suis là derrière. Elle est arrivée, c'est en train de verser de l'eau à l'extérieur. Tu sais, on est fait la cuisine. Elle me demande qu'est-ce qu'ils ont fait ici là. Elle va me gifler. Audrey. Audrey, je te pose une question. Je te pose la question. Glory t'a dit qu'elle était quoi pour moi? Une amie. Ce n'est pas qu'une amie. On a quoi en commun? Dis-moi un peu. Ce n'est qu'une amie, c'est ton amie. Et puis maintenant, elle a voulu me faire à manger. J'ai accepté amicalement de manger. Le souci est où? Qu'est-ce qui ne va même pas avec vous deux? Tu restes hein? Le naïf de depuis. Ce n'est pas un problème. Tu as voulu me séduire. Elle me l'a dit. Elle m'a dit que tu es parti. Oui, c'est vrai. Ce que tu as dit, vous êtes allé faire quoi? Elle a même voulu m'amener à l'Est, j'ai refusé. Moi, j'ai voulu t'amener à l'Est. Oui, voilà. Pour faire quoi? Oui. C'est pas toi qui m'as dit qu'on doit aller à l'Est. Menteur, c'est André. C'est pas toi qui m'as dit qu'on doit aller à l'Est. J'ai refusé. Ya, André. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ya, menteur. Arrêtez de crier. Arrêtez de crier ici, ok? Je vais crier. Tu n'as pas de problème. Je vais crier. Menteuse, charmeuse, sorcière. Je vais crier encore. Sandra, moi je vais partir. Je pensais venir changer d'idée ici la main comme que toi tu l'as tué les mots de toi. Et qu'est-ce qui arrive à ton pied? Albert, il a fait l'accident. Oh. Le jour qu'elle rentrait là. Tu as fait l'accident comment? En fait, son accident comment? La moto m'a cogné. Tu étais où? Je vais savoir. Je rentrais non avec tous les nez. Je n'ai même pas regardé à gauche et à droite. Voici comment la moto vient, ça me cogne. Un peu ça. Voix, mais ne touche pas, pardon. Pose un peu celle-ci. Oh. Tu t'es touché. Oui, Albert, voix. Calme-toi d'abord. Ah, laisse. Ça va alors, c'est comme ça, on va vous aider. Tu sais pas, moi j'ai des talents. Hein. Bien, une musique, c'est un talent de ma soeur. C'est ton problème. Mon grand-père était Yanda, donne-moi un masque. C'est ça? Ok. Je vais rentrer encore à la maison. Je continue ma malchance là. Mais en passant, il faut que tu te guérisses, vite. C'est comment j'ai envie de toi. Quoi? Avec chaque jour. Pourtant, ce n'est que le sexe. Je suis une bonne Ce n'est que le sexe. Tu allais mourir là encore fait. Oui. Et tu es devenu quoi? Toi, tu me connais seulement quand il faut faire. Non. Qu'est-ce que tu m'as faire là? Non, parce que tu es venu, c'est parce que tu as tes envies. Non. Sandra, tu vois que tu n'aimes pas la peine, mais je pars. Oui, pas. C'est mieux pas. Mais il faut changer ça. Pardon, pas. Voilà, c'est un souci là. Quelque chose, pardon. Je. Vraiment quelque chose. Tano, tu as débloqué un autre niveau. Tu sais, non. Tu as débloqué un autre niveau. Ah ben, j'ai compris. Ça va. Je viens de ta banque. Ça va, non? Ta poupée sexuelle. Ah. Voilà, sorcier. Moi aussi, je dérange. Aïe! Non, toi, tu me grasses mal quand toi, tu as tes envies, quand tu veux de l'argent. Papa, toi tu me manques. Tu me manques, pardon. Je rentre chez moi. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Honte de quoi? Tu n'as pas honte. Je peux savoir honte de quoi? Dis-moi. Tu n'as pas honte de coucher avec ma copine? Je couche avec c'est elle. Tu couches avec elle. Attends, et même si je couchais, folle. Imagine même un temps soit peu que je couchais avec elle. Ton problème est où? Problème, ton problème est à quel niveau? Elle est ma copine. Et comme tout à l'heure, j'ai giflé Albert. Okay, Albert, il lui racontait les choses au téléphone. Et demandait qu'elle vienne parce que je l'ai refusé. Tu as compris, non? Pardon? Ah, comme Albert lui a raconté les choses au téléphone, je suis sûr. Parce que j'ai giflé Albert tout à l'heure. C'est Albert qui t'a appelé. Oui, pour c'est que lui. Tu viennes ici. Puisque je l'ai giflé de une chip tout à l'heure. Qui t'a fait venir ici? Qui t'a fait venir ici? Il t'avait dit quoi dernièrement? Que quoi? Que j'allais revenir. Revenir et qu'est-ce que je t'ai dit? Elle a même mentionné d'Albert quand elle parlait ici. Quand tu disais ça, que je vais revenir. Tu enlèves mon fils dans ça. Tu as compris, non? Je t'avais dit dernièrement que je devais revenir et je suis revenu. Voilà ce que j'ai dit. Quelle coïncidence! Voilà ta copine qui m'a fait savoir que tu voulais faire des pratiques mystiques vrai. Contre moi. Okay. Pour moi, c'est tu ne me touche pas. Ok. Ne me touche pas. Ne salis pas les gens. Ne me touche pas. J'ai touché ce que tu pendant des années, Rob. Dégage de là. La jalousie que tu viens de faire là maintenant, c'est dû à quoi? Dis-moi un peu. Je dis. Tu viens de faire la jalousie là, je peux savoir. Elle est due à quoi?
C'est pourquoi? Je ne suis pas jalouse. Alors, c'est quoi depuis ton quand problème? Tu vis avec ta Christelle, si tu ne m'as jamais vu, si elle, c'est ma copine. Ce n'est pas... C'est moi qui l'amène sur toi. C'est toi. Oui, tu me l'as présenté. Je ne la connaissais pas. Tu n'es jamais venu me présenter ta copine. Ah, je suis désolé. Des inconnus peuvent entrer chez toi comme ça. C'est un père qui m'a parlé d'elle. Je suis désolé. Je ne veux pas savoir. Une inconnue, elle m'a parlé de toi et tout. Et elle a voulu bien me faire un plat à manger. Et quoi le souci? Je trouve pas le souci. Quoi le problème? Ouh. Le problème est à quel niveau? C'est pas parce que j'ai faim. C'est amicalement. Tu es naïf, hein? Naïf à quel niveau? Il faut changer, s'il te plaît. Je vais cette fille est venue avec le remède, mais dans ta nourriture. Tu étais présente. C'est mon fils qui a fait sa nourriture. Agathe et sa mère trament des choses. Tu étais là. Agathe. Non, mais monsieur, je n'ai plus aussi appelé. J'étais appelée combien de fois? Je ne connais pas combien. J'étais appelée 3 fois, madame. Tu vois comme je parle aujourd'hui, cela. Je parle comme ça et je suis très sérieuse. Je dis que je suis très sérieuse. Comme tu vas entrer dans la maison aussi. Le jour que tu reportes encore tes pieds et ton maigre corps là, tu sors de la maison si tu ne me dis pas. Quand tu parles, pas seulement au que pas seulement tout le monde, ne passe plus. Pourquoi? Ne passe plus ici. C'est ce qu'elle veut que tu dis. Elle te parle les plus souvent, tu n'entends pas. Le jour que tu portes encore tes pieds, si tu sors, tu ne me dis pas. Tu pars, tu dors dehors. Maman, calme là-bas. Calme là-bas. Il dit que calme là-bas. Parce que si tu reviens ici, là, il va te faire quelque chose. Peut-être que tu vas mourir quand même. Il va aller à Konami. Il n'y a pas de problème. C'est qui ce qu'il va sortir. Il va sortir. Je dis que calme seulement là-bas. Le jour que tu reçois, quoi. Je pense que là où tu es là, tu as un téléphone, un grand téléphone même. Je ne sais pas à quoi ça te sert. Donc le jour que tu vas encore sortir, si tu me dis, et tu me dis là où tu pars, au cas contraire, il y a où est que. Quand tu vas partir, pars tout de bon, ne viens plus. Voilà donc ça qui te parle aujourd'hui, je suis sérieuse. Je suis. Il dit que tu vas comme tu me réponds, non? Le jour que tu vas encore reporter tes maigres fesses là, si tu sors, c'est le jour là que tu vas voir mon vrai. Tu me mets quoi? Je ne sais pas. Tu vas sortir pas ou pas sortir? Ouais, mon problème c'est que je ne veux même plus que tu sors. Tu veux sortir, tu vas sortir dans la maison de ton père. Non, je sors. Je dis que tu ne sors pas ici. Je suis même là, il fait comme si elle te suppliait, même comme si elle t'encourage. Elle dit que tu dois même sortir ici. Tu es ici là parce que tes parents ont les problèmes. Quand ils arrangent leurs problèmes, tu rentres. Je ne sais même pas. Pourquoi ils ont arrangé leurs problèmes? Tu peux même toujours partir sans qu'ils arrangent leurs problèmes. Je ne sais pas si tu es la femme de ton père ou quoi que ce soit. Tu peux partir rester là-bas avec ton frère. Mais comme ça, comme lui, il est criminel, toi aussi, tu développes à ta part. Ça, vous allez fusionner, ça va donner ce que ça doit donner. Oui. Non. Tu dois donc marcher comme je veux. Donc, quoi? Il y a quel âge là? Tu as quel âge? Tu as 20 ans. N'est-ce pas? Tu as la lasse frontale sur la tête. Tu as la greffe chère, non? Tu ne vas pas me parler fort comment? Moi, qui ai demandé que tu as le poussin sur la tête. Tu parles comme ça. Tu me parles pas comme ça là. Tu fais mon son ou du bien vite. Je fais la lèvre ça sur ta tête maintenant là. Tu connais combien de paquets de mèche? Tu connais le nombre de paquets de mèche? Faut te méfier. Tant qu'il y a bon, il y a bon. Entre là-bas dedans. Toi, tu as le pantalon jean d'escroy aux fesses. Parce qu'elle marche, elle tend les fesses derrière, tu es à yoyette. Tu as le pantalon jean aux fesses, non? Comme était donc parlé aujourd'hui là. C'est la dernière fois que tu parles. Sinon, la prochaine fois, non, c'est le clair coup de pont qui va te saccager ici avec. Tu ne connais même pas. C'est ça qu'elle parle sur la même chose. Albert et sa mère, ce que tu affirmes là, est-ce que tu étais présente? Comment tu as su que tu l'amenais à l'est? Tu étais là. Pardon? Quand je l'amenais à l'est. Albert s'est allé à sa mère parce que tu étais là. Parce que je te connais. Tu as fait ça pourquoi? Tu sais ce que tu faisais par le passé. Oh, tu t'agites. Moi, tu l'as connu. Tu t'agites. Tu fais passer par le passé. Tu avais quoi? Tu faisais des choses. Tu avais quoi? Attends, je peux parler. Je peux placer un mot. Tu allais pratiquer par le passé pour te séparer de moi parce que j'étais pauvre. Tu ne te rappelles pas? J'avais découvert une calebasse. Oui, j'avais découvert. Parce que tu me trouvais collant. Tu disais que je suis très collant, que je te colle à la peau. Mais rappelle-toi. Qu'est-ce que tu veux me dire? Tu veux me faire quoi là? Je te donne cet interdit aujourd'hui. Ok? Tiens-toi le pourdit. Plus jamais je ne vais entendre que tu es venu ici. Si tu viens ici pour voir ton fils, voyez-vous dehors. J'ai dit, ne viens plus ici. Tu te fous. Et de l'autre côté, je vais venir. Écoute un peu, Glory. On va faire simple. Le repas là, quand ça commence comme ça, je ne sais pas ce avec quoi ta copine est venue ici. Tu vas ramasser ta nourriture. On verra. Oui, tu dégages avec. Recaler ça. Merci. Je le fais pour lui. Maman, tu dégages avec. Sorcière. Maman, tu dégages avec. Sorcière. Je réitère cela. Audrey, que ce soit la dernière fois que je te vois ici. Tu comprends ça? La prochaine fois, je ne vais pas répondre de moi-même. Sur ce. Pardon, arrête-moi ça. Tu dis ça à qui? S'il te plaît, descends. Ne me touche pas. Ne me touche pas.
ok. Reste donc placé là. Moi, ça ne m'engage pas. Vraiment. Homme facile. Homme facile. Imbécile.